L'expo d'aujourd'hui, c'est une expo de carreaux de ciment, de Blotshire. Et en fait, c'est une technique très simple, mais qui est très vieille. On utilise du ciment, du sable et des pigments. Les carreaux sont juste mis dans une presse. Ils ne sont pas, ils passent pas dans un four. C'est pas de la céramique ou de la terre cuite, c'est juste du ciment coloré. Et donc, voilà, c'est une tradition chez nous qu'on essaie de perpétuer. Avec des événements pareils, comme vous pouvez voir, vous voilà, vous êtes là. Donc, ça nous fait briller. Ça nous donne un podium pour montrer ce que nous faisons. C'est l'occasion en fait de montrer plusieurs aspects de la création et de la créativité des Libanais. On a aussi l'occasion de montrer que c'est une vraie communauté qui se tient, qui est passée par des moments plus ou moins faciles, on va dire, dans les dernières années, mais qui n'a pas arrêté justement de créer. C'est pas une expo solo, c'est une expo de groupe, et donc en fait les objets conversent les uns avec les autres, ils sont tous mis en perspective les uns avec les autres, et le résultat fait que il y a comme une magie qui opère dans la circulation et dans la communication entre les objets. Nous avons conçu des chaises dans le cadre d'un cours de design. Ce qui est important dans une exposition, c'est tester le public, voir si ça attire les gens, pour voir si c'est quelque chose qui va les intéresser. Ils vont penser à acheter ça pour leur maison, par exemple. Et ça donne une opportunité d'être vu pour les étudiants. Cette expo est conçue spécialement pour Beyrouth. C'est inspiré par le soleil, les vagues, le mouvement et les couleurs de l'été. Ben, c'est très important de connecter tous les designers ensemble, que ce soit comme une collaboration, une force, parce que l'union, c'est la force, voilà. Et c'est pour aussi donner une très belle image à l'extérieur que le Liban est toujours fort dans ce domaine de design et de production pour l'exportation, et c'est très compétitif dans le monde entier.